Hey y'all, bienvenue sur un nouveau vlog. Moi c'est Choco, Tiffany aka Choco. N'oubliez pas de vous abonner, subscribe, comment, like, you know what it is. Donc aujourd'hui, début de semaine, je me suis booké une classe de cycling avec Steven parce qu'il est en train d'essayer ClassPass. J'ai essayé de l'embarquer avec moi dans mon expérience ClassPass. Et le truc c'est que ce matin je me suis réveillée et j'avais mes règles. Et j'avais mal au ventre. Enfin, depuis hier soir, je sentais que ça arrivait. Et je me suis dit, ah, peut-être que j'aurai un peu de chance et tout, nanana. Et là, je suis en train de me dire, mais comment je vais faire pour pédaler? Je pouvais pas annuler parce que, en fait, on peut annuler 12 heures avant, mais une fois que on est passé en dessous des 12 heures, c'est plus possible. Donc, j'ai pris un médicament ce matin, mais je sais pas trop ce que ça va donner, honnêtement. Donc, je suis un peu nerveuse là. Mais bon, au pire ça va pas, je m'arrêterai, j'irai un peu plus doucement. Et puis voilà, donc je vais partir tout de suite. Le cours il est à 11h45. So wish me luck. By the way, j'ai oublié de vous dire que j'ai fini de prendre ma cure pour les cheveux, les ongles. La cure que je faisais depuis le mois de janvier, cure de 3 mois. Et donc je me suis acheté, comme là je vais faire une pause avec ceux que je prenais, je me suis acheté en attendant des vitamines boost de l'achillée. J'ai jamais testé l'achillée, mais mes soeurs m'ont dit que c'était pas mal du tout. J'ai pris le Good Hair. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Honnêtement là j'ai pris pour un mois, histoire 2, donc biotine, vitamine B6, délicieuse gummies, chimio, sublime, vitamine boost. Et il faut en prendre. Faut en prendre deux par jour, donc je vais les prendre avant de partir pour ne pas oublier. Donc c'est des petits gummies comme ça, comme vous pouvez le voir. À tous. Je suis pas encore arrivée, je suis toujours en chemin. Stevens, normalement, il est à quelques minutes. Donc je pense qu'on va arriver en même temps. Good session. Yeah. Very good cycling session. It was exhausting, but at the end of the day, where la transpiration? You gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. Toi tu dis que genre ça fait non, classe passe. Oh, t'es trop gentil. Tiens, avant que j'oublie. Arrête deux semaines. Enfin, Sty a sa carte. Merci bien. Merci bien. C'est quoi ça? Ah, c'est le blouson que j'ai demandé. Merci. Mais où? Mais ouvre. Mais je vais l'ouvrir. Tu sais que j'aime bien les surprises, alors je fais durer le suspense. Je t'envoie des fois en plus, je sais qu'il y a la caméra, donc I'm gonna act. What I'm gonna do with the card? Je plaisante. Franchement, je vous aime déjà, les gars. J'ai pas encore découvert, mais je vous adore. Happy birthday. Mm-hmm.
too much acting. Too much acting. Happy birthday with love and IKEA. Oh wow! From Sissi, Sandra, Jojo, Choco et Cyril. Guys, thank you so much. This is what I wanted. For real. Tu vas pas dire sur la caméra que tu voulais le blouson. T'as été filmé en train de dire que tu voulais. Mais je fais exprès. I'm kidding. I'm gonna buy my curtains. So thank you so much, you guys. Merci. Je vous adore. On a récupéré nos smoothies. J'ai pris le Berry Boost smoothie. J'ai pris le smoothie. Il a pris un truc chargé. Arrête de dire ça. C'est toi qui as dit c'était chargé. Bon, on let's go. En fait, je t'explique avec Jim Lib. Avec je me sens trop bien là. Moi aussi. En plus, le soleil fait ça. Je sais pas comment tu fais avec ta surchemise. Franchement, il fait super chaud. Franchement, ça va. J'ai l'impression que mon corps il arrive à réguler. Ah ouais, ton corps il régule ? Ce qui est bizarre. J'ai pris ma, comme vous avez, enfin non vous avez pas pu voir, mais je viens de prendre ma douche, j'ai fait un peu mon clean up au niveau du visage. J'ai pas mal de boutons ici, c'est de l'acné hormonale et c'est toujours au même endroit et c'est tous les mois, toujours à la même période. Je me suis réveillée hier avec 3 boutons ici, je me suis dit why? Bon, je sais que dès que mes règles vont passer ça va partir. Donc j'ai fait tous mes soins du visage, gommage, j'ai fait un gommage du corps aussi. Ça fait trop du bien, surtout après une bonne séance de sport. Et donc là, j'ai toujours pas mangé depuis que je suis rentrée. J'ai juste pris le smoothie après le cours, c'est tout. Donc je vais me faire une petite salade et en attendant, je vais poser un masque que j'ai acheté chez Sephora. Donc Moisturizing and Glowing, hydratant, éclat, j'ai jamais essayé, donc on va voir ce que ça donne. Ingrédients, fibre d'acia, effet seconde peau. On va voir ce que ça donne. L'idée c'est de poser le masque et de faire tout ce que j'ai à faire. Aujourd'hui ça va être clean up, il fait beau. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un grand nettoyage chez moi. J'ai envie d'en profiter parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de gros nettoyage intensif. Donc ça va être le thème de la journée, ok? Je voulais quand même vous montrer ce que j'avais utilisé pour tout ce qui est corps hydratation. Là j'ai mis mon boubou, vous connaissez déjà quand vous avez vos règles. Moi je peux rien avoir qui me sert au niveau du ventre, là il fait chaud, il fait beau, j'ai envie d'être à l'aise. Donc je suis en mode boubou là, je suis en mode boubou. Pour tout ce qui est crème hydratation, j'utilise Nivea, je suis désolée mais franchement j'adore cette crème. Elle m'a jamais fait faux bond. Et j'utilise aussi l'huile de Cavaillès, je sais pas si vous me suivez sur TikTok. Mais j'ai montré justement quand j'ai été restock parce que comme vous pouvez voir j'en ai plus et ce que je trouve est bien parce que
En fait, elle hydrate super bien la peau, mais c'est pas gras. Ça veut dire, une fois, vous savez, des fois vous mettez de la crème et quand il fait chaud, ça vous fait transpirer. Et ben là, vous avez pas ça avec ça. Ok, ça, vous, la peau elle brille, ça donne une peau douce, ça sent bon, mais ça donne pas chaud. Donc voilà. Et donc j'ai racheté une deuxième bouteille parce que le beau temps arrive and you know I want my skin to be glowy. Ensuite j'ai aussi utilisé pour tout ce qui est ingrow, donc pour éviter tout ce qui est les poils sous peau, problèmes comme ça, boutons, hyperpigmentation. Ça arrive souvent au niveau des aisselles à force de se raser ou à force de s'épiler ou quand on fait le maillot et autres. Donc j'ai ce roller de Topical. Alors je sais que Topical n'est pas en vente en France. Moi je l'ai acheté à l'étranger, girls. Topical c'est à Londres. Donc si vous voulez y aller, foncez. Donc j'ai utilisé ce roller pour pas avoir justement d'hyperpigmentation ou de poils sous peau sous les bras, mais aussi au niveau du maillot. Et comme déodorant, j'utilise celui de Dove qui me laisse pas de traces. Donc c'est super top. Que je vais réussir à l'ouvrir. En plus, j'ai toujours mon ongle qui est cassé. J'ai retiré le pansement pour faire ma skincare parce que, genre, il est hors de question que. Mais. Genre, no way quoi. Ah, là, ça devrait. Ah, c'est bon. J'ai ouvert avec des ciseaux. Donc, je vais prendre mon petit sheet mask. Ouh. Donc j'ai pas besoin de mon masque en silicone cette fois-ci. Ça sent super bon. Ce que je peux vous dire pour l'instant. À tout de suite. Parce que dans tous les cas, je peux pas parler comme vous pouvez voir, donc je reprends ma caméra après. Donc j'ai fini le masque, je viens de le retirer. Il n'y a pas besoin de rincer, ça a bien séché. Donc je vais juste appliquer ma crème, ma protection solaire, cause, you know, on veut pas de traces, de cicatrices qui foncent encore plus qu'elles le sont déjà, ok. La journée, généralement, j'utilise The Ordinary. Et pour la protection solaire, je vais utiliser celle de Caudalie. J'adore la crème de Caudalie parce qu'elle sent vraiment super bon. Regardez avec mon dos handicapé là. Je vais utiliser les patchs de Peace Out que je vais garder toute la journée. De toute façon, I have nowhere to go, donc je vais rester à la maison et faire mon ménage. Ok. Et voici les petits patchs en question. Voilà. Les autres, je pense qu'ils vont partir demain matin. That's it, c'est tout pour la skincare. Je vais enfin pouvoir aller manger, j'en peux plus là. J'ai super faim, donc je vais aller faire ma salade. Mes cheveux sont complètement morts avec le sport. Genre, si vous pouviez mettre vos mains dans les au niveau des racines, vous verriez que c'est pas top, top, top. Mais je vais les laisser respirer un peu et demain ça va être routine cheveux. La semaine prochaine, il y a mon anniversaire, donc j'aurai pas le temps de... À moins que je fasse mon shampoing quelques jours avant pour être sûre qu'il soit bien. Je sais pas c'est quoi la meilleure option. Parce que je vais pas laver mes cheveux deux fois, et si je vais au sport... Je sais pas encore, je sais pas. Faut que je réfléchisse.